Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. Merci de suivre la télévision Annonceur 24 et bienvenue au compte de ce journal. Dans son discours de clôture du Forum national de la jeunesse, le président du Conseil militaire de transition a relevé la pertinence des résolutions et conclusions issues des travaux du dit forum. Suivez, il est au micro de nos confrères de la télévision nationale. Jeunes du Tchad et de la diaspora, chers frères et sœurs, ce forum fut un cadre d'échange, de brassage et de communion. Il vous a surtout permis d'engager des réflexions sur les défis majeurs liés à l'éducation, à la formation citoyenne et à l'encadrement de la jeunesse. J'ai aussi noté que la question liée à l'emploi et à l'autonomisation des jeunes a constitué le dénominateur commun de vos échanges. Vous n'avez pas aussi perdu de vue l'épineuse question de la radicalisation et de l'extrémisme violent chez les jeunes. Des documents stratégiques vous ont été présentés et des projets soumis pour être enrichis. Je voudrais ici citer les projets de la Charte nationale de la jeunesse du Tchad, l'Observatoire national de la jeunesse et le plan quinquennal de la politique nationale de la jeunesse. J'instruis à cet effet le ministère en charge de la jeunesse de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce document et d'autres qui sont en chantier soient finalisés, adoptés pour renforcer le dispositif législatif en faveur du bien-être de la jeunesse tchadienne. J'ai également suivi avec intérêt vos motions, recommandations et résolutions pertinentes qui sont l'expression de vos aspirations et attentes légitimes et justifiées. Soyez rassurés de ma ferme détermination ainsi que l'engagement de tout le gouvernement à le traduire dans les faits. Nous devrons œuvrer pour donner la possibilité à notre jeunesse d'être bien formée. C'est un impératif pour répondre aux exigences du marché de l'emploi et contribuer à la mise en œuvre de notre vision pour l'émergence du Tchad. Toujours dans le même cadre, soucieux du problème du chômage des jeunes, le chef de l'État a annoncé le recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique ainsi que la réduction du coût de l'Internet au Tchad. Il est toujours au micro de nos confrères de la télévision nationale. La question de l'emploi des jeunes par le secteur public et privé reste pour moi la première des priorités. C'est pourquoi j'instruis le gouvernement dès à présent à procéder au recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique dans le cadre de la loi des finances pour l'exercice 2022. À accorder des facilités fiscales exceptionnelles aux entreprises qui recrutent des jeunes. À créer un prix pour élire la meilleure entreprise en termes de promotion et de recrutement des jeunes. À augmenter le financement en faveur de l'entrepreneur des jeunes et à soutenir les incubateurs. Sur le même élan, j'appelle à une redynamisation des sports des jeunes, source de brassage et de santé. Je déclare l'année 2022 comme l'année du sport au Tchad. L'année de tous les sports. Pour ce faire, le gouvernement est appelé à relancer tous les championnats des jeunes, les interprovinces, les intervilles, les interuniversités et les interquartiers. Chers frères et sœurs,
du haut de cette tribune, de la jeunesse, je vous ai appelé à un usage responsable de l'Internet. Trois jours après, de cette même tribune, je vous annonce une réduction substantielle des coûts d'accès à Internet. Dès le premier trimestre de l'année 2022. Cérémonie de remise des chèques aux 73 personnes vivant avec un handicap ce 30 décembre 2021 à la Maison de la Femme. C'est une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, en présence des responsables de la dite institution ainsi que les représentants des membres du gouvernement. Suivez. Ce sont au total 72 bénéficiaires qui viennent de recevoir un chèque d'un montant de 27 900 000 francs CFA pour leurs différents projets financés par l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, dont l'objectif est d'aider les personnes vivant avec un handicap de se prendre en charge et aussi de réduire le taux de chômage. La cérémonie a eu lieu ce 30 décembre 2021 à la Maison de la Femme, en présence du président du conseil d'administration de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, de son directeur général, du représentant du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Concertation sociale, ainsi que les représentants du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance et plusieurs autres invités. Les bénéficiaires, au nom de leurs représentants, ont remercié l'ONAPE pour la promesse tenue avant d'affirmer leur détermination. Aujourd'hui est le plus beau jour de notre vie car nous recevrons nos chèques. Notre rêve devient réalité. Les mots nous manquent pour exprimer notre satisfaction à l'endroit de l'ONAPE qui ne cesse de nous accompagner. Prenant la parole, le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadik Brahim Diko, a relevé les principales missions de son institution avant d'exhorter les bénéficiaires d'en faire preuve de responsabilité. Aujourd'hui, la problématique du chômage des jeunes a été accentuée de par le monde, par la crise sanitaire, sécuritaire et sociale, alors que le nombre de personnes en âge de travailler et de diplômer sans emploi cesse de croître de jour en jour. Si, d'un point de vue sanitaire et sécuritaire, la pandémie du coronavirus semble de mieux en mieux maîtrisée dans notre pays, les plus hautes autorités de la transition militent jour en nuit pour la paix et vivre ensemble. L'impact économique de cette crise frappe en plein fouet les jeunes et surtout les personnes vivant avec handicap. Pour donner l'espoir et sauver la jeunesse tchadienne du chômage, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a mis l'accent sur le développement de l'entrepreneuriat de manière concrète par l'accompagnement et le financement des projets. C'est le gage de sortir les jeunes et surtout les personnes handicapées de la précarité. Rappelons que la cérémonie a été sanctionnée par la remise des chèques aux bénéficiaires par le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE. Et puis rendons-nous cette fois-ci à l'hôtel Radisson Blu où une sous-institution des Nations Unies dénommée WCAHR Africa a installé son bureau exécutif du Tchad ce 30 décembre. La cérémonie a réuni beaucoup d'invités parmi lesquels un représentant de la dite organisation venu de la Côte d'Ivoire. Reportage Ahmed Moussa Khalil. Cette installation des membres du bureau exécutif a vu la présence des représentants du ministre de la Sécurité publique représentant les membres du gouvernement et de plusieurs invités venus de différents horizons pour la circonstance. Dans son allocution, le haut commandant pour l'Afrique et Haïti, M. Josué Ngumbo, a affirmé que leur mission est d'ordre humanitaire. C'est une structure qui intervient sur le continent africain et j'en suis le directeur exécutif pour le continent africain. Dans tout le continent africain, les 54 États,
parmi lesquels ceux qui ont ratifié la Charte des Nations Unies. Et depuis un moment, s'est ajouté Haïti et les Caraïbes. Il faut dire que le siège de la WCHR Africa est à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Le second siège sera ouvert donc dès début 2022 à Genève, en Suisse. L'installation et la remise des épaulettes s'est déroulée sous des applaudissements spectaculaires. Togo Gabin, directeur exécutif du WCAHR UN Africa Tchad, est élevé avec le grade de commandant. UN est une organisation des Nations Unies intervenant en Afrique à travers les missions d'ordre humain et aussi humanitaire, de défense des droits humains et de la promotion de la paix. Cette circonstance qui nous réunit aujourd'hui marquera à jamais les esprits de tout un chacun, car c'est le point de départ de prise de conscience collective et d'engagement individuel pour la promotion des valeurs de paix, de vivre ensemble et de protection des droits humains à tous les niveaux. Bon à savoir, le bureau exécutif de cette institution est composé de 2 personnes. Et puis pour finir, découvrons ensemble le bienfait de ces légumes beaucoup plus consommés en dessert. Les concombres renferment de multiples bienfaits sur l'organisme humain, mais la question que l'on se pose, quels sont les bienfaits qu'apportent les concombres sur le corps humain? Suivez. Le concombre est une plante potagère, herbacée rampante de la même famille que les calebasses, le melon ou la courge. C'est botaniquement un fruit qui est consommé comme un légume. Sa richesse en eau lui confère des vertus diurétiques et drainantes. Bien pourvu en fibres, le concombre participe au bon fonctionnement du transit intestinal. Il est également un calmant naturel, anti-stress et anxiété. Il procure largement de minéraux et vitamines plus concentrées comme du potassium, les vitamines du groupe B en général, de la vitamine C, ainsi que de provitamine A et de vitamine E. Composé à 96% d'eau, il fait partie des aliments les moins caloriques. Reminéralisant, hydratant, le concombre est parfait pour le régime et permet de ne pas alourdir l'entrée d'un repas. Il a aussi des propriétés hydratantes, cicatrisantes, assainissant, puis astringente, considérée adoucissant. C'est ainsi qu'on utilise de même traditionnellement sous forme de cataplasme ou de lotion afin de lutter contre les rougeurs, les dartres, les taches de rousseur, les démangeaisons et même les rides. Il redonne essentiellement l'éclat de la peau et la raffermit. Il purifie le teint et même resserre les pores. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision Anasra 24. Bonne fête par anticipation et surtout soyez prudents.